L'enfant là est trop puissant. Guillaume qui va forer ce rôle. Bébéto national. L'enfant là, il est trop puissant. Trop puissant. Hey. Ah ouais, Dieu merci. J'aime Guillaume Soro. Pop. Viens Mossile. Le diable en personne. Ouais. Tu as montré que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as montré que toi là, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Non, Guillaume Soro, Wallah Bila, non, tu es garçon. Quand on dit garçon là, c'est toi. Quand on dit vrai Woody là, c'est Guillaume qui va voler Soro. Yeah. Hey. Ouais, non, l'homme là, il n'y a pas son deux. Connectez-vous. J'ai une vidéo de 10 minutes à vous montrer. Donc, hier, parlé, le temps que j'arrive à la maison. Vous voyez, attends, je vais pas commencer par ça d'abord. Je vais commencer par l'assassinat de Ibrahim Koulibaly, père à son âme d'Ibé et Tagro. Normalement, levier, aujourd'hui là, tu as montré au monde entier et à tes moutons là que c'est pas Guillaume Soro qui a tué Tagro. Que c'est pas Guillaume Soro qui a tué Ibrahim Koulibaly. Parce que tu ne peux pas laisser tout ce charge-là que tes gars sont en train de dire, ouais, c'est Guillaume. Tu vas aller prendre un petit truc comme ça. Parce que, à côté de la mort, de l'assassinat de Baye Tagro, c'est ça, non? Non, c'est Désiré Tagro et Ibrahim Koulibaly, coup d'état est petit dans ça. Mais tu as laissé ça. Tu es allé mentir. Comme tu es un menteur, tu as fabriqué un truc. Tu voulais déposer ça sur Guillaume Soro. Bon, moi, à ta place, là, comme c'est Soro, on dit c'est lui, il a tué, là, Tagro. Et puis, vous avez dit dans l'enregistrement, là, où Soro dit ouais, que c'est lui. Que ouais, tu as vu ce qu'on a fait à Tagro. Si c'est sa voix, hein. Tu as vu ce qu'on a fait à Tagro et à Ibrahim Koulibaly, là. Moi, là, j'allais prendre ça. A fait le coup d'état là, elle est laissée. Parce que c'est lui petit là. Parce que c'est moi, je connais, c'est moi son vieux père. Je connais, je sais que c'est lui là, tué les deux gars là. Tu portais plainte contre lui tranquillement, tu allais l'arrêter. Sans ouya. Parce que vous avez la preuve, non? Comme quoi c'est Guillaume Soro. Mais j'ai dit à tous les moutons, à tous les maudits de. À tous les maudits du blanc quoi. A fait des priorités à droite des blancs. Nyamro ting dans les loups. Ado Djoufra menon là-dedans. Tu as te mettre dans le problème. C'est-à-dire, tu as montré au monde entier que c'est pas Guillaume Soro qui a tué Tagro. Et moi, je l'ai déjà démontré. Ni Bola qui est venu. Priorité, tu Bola. Tu vois que je suis bien entré, non? Mi flangro, après j'ai fait constat. Tu vois? Et tu as montré aussi que c'est toi, Alassane Ouattara, qui a donné l'ordre. Et c'est toi et ton même Zakaria là, qui ont été à la base de tuer Ibrahim Koulibaly. Bah, tu ne peux pas laisser ça là et puis fabriquer des trucs qui ne tiennent pas. Hein? Tu ne peux pas laisser ça là, fabriquer des choses qui ne tiennent pas. Alassane Ouattara, tu es un menteur. Et puis tu vois,
C'est-à-dire, quand on vous dit que, quand moi je vous dis que Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un président qui a, c'est-à-dire qui a humilié la Côte d'Ivoire plus que Ouattara là. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Quand tu as volé le logo du PDCI là, c'est la même cour là qui t'a donné raison, qui a donné raison à l'État de Côte d'Ivoire. Je vais revenir, mais je vais parler de ça d'abord. Après, quand je vais vous montrer la vidéo. C'est vous qui avez applaudi ici hier que la cour est comme ça, ceci, nanani, nanana, vous avez fait tout ça là. Mais aujourd'hui là, à cause de Guillaume Soro, tu as retiré la Côte d'Ivoire de la cour. Soro, tu es chef, tiens les billets, c'est ça on dit garçon, tu n'es pas glaçon, hein. Tu es garçon même. On va te la foirer, il irait les billets. Je ne sais pas comment on dit ça, mais quelqu'un qui vaut rien là, en français là on dit foirer. En tout cas, on dit qu'on foire les bénévoles. Bon, en français, c'est enfoiré. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est un vaurien. Draman, comment tu peux retirer la Côte d'Ivoire à cause de Guillaume Soro? C'est-à-dire, c'est toi-même là. Je suis tellement content. Ton vrai visage là, où il y a Palaf là, on va voir. Où tu as tes traits Adidas là. Dieu va dégommer ça. On va. Et puis on va voir, hé! Qu'est-ce qu'il y a? L'imbécile là! On t'a dit que moi je suis pas pressé quoi. Ton vrai visage là, tu as montré au monde entier. Le fait que tu t'es retiré là, tu as retiré. Et puis on dit, il faut un an pour te retirer, il faut un an. Et puis il y a un truc qui est grave. Le journaliste a posé la question. À ton Sidi Touré ou bien ton Sidi quoi là, ou bien ton Ali Koulibaly là, hey, on est prêt, hein? On ira jusqu'au bout. Ah, maintenant, on ira jusqu'au bout. Ils ont demandé. Bon, quand il a dit que la Côte d'Ivoire s'est retirée, le journaliste a posé la question de savoir, c'est la même cour qui avait tranché entre le PDCI et le pouvoir, ils ont dit oui. Et la décision là, est-ce que ça remet la décision en cause? Ils ont dit non. Le porte-parole là, ou bien je ne sais pas de quoi du gouvernement là, le zébi du gouvernement là, il a dit non, que ça ne met pas en cause. Ok. Après, il y a un autre encore qui pose question. Bon, vu que la cour avait déjà ordonné, avant le retrait de votre gouvernement de merde là, donc, vous allez tenir compte. Là, ils n'ont pas eu de réponse. Hein. À ma réponse, ils seront qu'à dire. À ma réponse, ils seront qu'à dire. Mon vieux père, Ibrahim Doumbia, salut. Bonjour à tout le monde. Parce qu'il y a un gars ici, là. Fonye Kouroka, là, à la Wanyema. Nous, on a dépassé ici, sans quoi. Attends-le, imbécile, là. Abetaya. Vous voyez, le gars a posé question. Est-ce que la décision qui a été prise par la cour pour trancher entre le groupe de voyous là, Alassane Ouattara, et le pouvoir, et le PDCI, est-ce que ça remet en cause? Ils ont dit non. Ok. Mais là, la Côte d'Ivoire s'est retirée aujourd'hui. Le gars, il dit Fiancou. Ok. Il s'est retiré aujourd'hui. Elle s'est retirée aujourd'hui. Oui, Fiancou. Donc, ça veut dire que la décision là, qu'elle a ordonné de suspendre la poursuite contre Guillaume Soro là. C'est comment il dit, il peut même pas parler. Vous voyez, nous là on est dans la vérité. Et Afa Koulou, si on vous a laissé, Afa Koulou, si on t'a laissé, toi Mossi Draman, Anthony Toyo, tu penses que tu vas honnir le pays à chaque fois que tu vas humilier la Côte d'Ivoire? Hein? C'est toi, tu te promènes partout. Tu prends l'air du pays. Toi, tu es là pour ton intérêt. Comme aujourd'hui, ça ne t'arrange pas. Alors, toi seul, tu décides. Tu retires la Côte d'Ivoire. Eh, il faut nous respecter, hein, Mossi. Draman. Excusez-moi, les Mossi. Si elle dit Mossi, là, excusez-moi. Comme il n'aime pas, là, voilà pourquoi je l'appelle Mossi. Voilà. Comme Amanda, sinon, moi, j'ai lui, là. Un Mossi, là, il intègre.
Et c'est les vrais hommes. Ils ne sont pas dans les trucs. Lui, il ne va en chercher où. Mais c'est à partir de tes balafres, on saura si tu es mochou ou bien si tu es bien. On va bien dégommer ça même. Et puis on voit qui tu es réellement. Tu fais honte. Ouattara, tu fais honte. Toi-même là, tu es une honte. Moi, je dis ça. Ouattara, tu es une honte. Normalement, tes moutons là, ils doivent avoir honte. Ouais. Parce que c'est la même cour là. Qu'on faisait déplacer les champignons là. Tu t'es accroché à ceux là. C'est la même cour là. Mais personne ne s'est retiré à l'époque. Je ne sais pas si ça existait encore. Mais en tout cas, il y avait un truc, quelque chose africain là. Mais tu ne t'es pas retiré. Tu as compté sur tout cela. Ouattara, tu es une honte. Non, Guillaume Soro. Ah, puissance! Soro, puissance! Amaïnde, à puissance! Non, à Kainde. Parce qu'Amaïnde là, c'est ce qui a rendu Draman mauvais comme ça là. Parce que quand on dit Amaïnde, ça dit que ce n'est pas bon. À Kainde, à puissance! Soro, puissance! À Kainde, à puissance! Soro, pisa. Et puis ATC, Ouattara, c'est une honte. Quoi, ouais, on a décidé de se. Eh, décision de la cour, là, vous allez appliquer. Eh, Paul Niamia, il faut quitter mon truc. Parce qu'il faut quitter mon truc. Bah, tu es venu me mentir en inbox. Tu as vu. Ah, non, attends, je vais voir son nom. C'est un gars, là. Parce que moi, je ne suis pas un trou du cul. Hein. Il te dit que Paul Le King, bien, quoi, là même, là. Paul Le King. Il faut quitter mon direct. Voilà, salut Soule, salut à Monique, le B52, salut. Tu vois, il faut quitter parce que tu es venu me mentir en inbox. Moi, je sais que parmi vous, les gars, là, il y a certains, ils ne sont pas sincères. Moi, là, je suis sincère. Je ne connais pas pour Soule, mais à mon avis, nous, les soroïstes, là, on est sincères. Moi, j'ai décidé hier de ne plus jouer les PD encore. En Côte d'Ivoire, là, tout le monde a fait des bêtises, hein. Tout le monde a. Et puis moi là, je n'ai pas venu faire vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Hein? Demain là, quand ça s'est gâté pour la Côte d'Ivoire là, et le comportement des Draman là, c'est nous tous en pays. Belle au Benassara. Tout le monde va payer. Donc, si vous voulez là, pardonner, si vous voulez laisser, bah, tout le monde a perdu. Hein? Dans ce conflit là, c'est passé. Nous, on se joue les papatos. C'est nous, on se joue les papatos. Voilà pourquoi vous, dans vos têtes là, l'histoire de Draman et Gbagbo là, ça est à part. Le premier soutien à Gbagbo, Alassane Ouattara, là, c'est Gbagbo Laurent qui l'a soutenu. D'abord pour attaquer. Pour attaquer chose. Pas pour faire coup d'état, mais pour faire chier Bédier là. C'est Gbagbo là. Voilà, c'est Gbagbo qui l'a validé d'abord. Voilà, donc Ouattara, il a baisé tout le monde. Tous les cadres là, tous les présidents là. Ouattara, c'est Mougou. Et puis je me demande même, les gens passent souvent dessus là. Mais moi je me pose la question. En fait, Oufoué Boigny là, qu'est-ce qui a fait que Oufoué est parti comme ça? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que Oufoué est parti comme ça? Depuis lui il est venu. Sinon on était avec le vieux. Moi en tout cas, j'ai plus confiance à Ouattara. Moi là, j'ai plus confiance en lui. Voilà quelqu'un qui décide. Parce que si la loi, si tu te battais vraiment pour tout le monde là, ça là, tu allais laisser. Mais nous, ce qu'on va te demander là, il faut laisser. De toutes les façons, même si je ne suis pas là à l'école, je connais. Parce que tu t'es retiré après la recommandation de la cour. Tu t'es retiré. Ok, donc ça là, tu vas appliquer. Tu vas appliquer. Ça là, tu vas libérer les prisonniers là. Et puis Draman, tu vas mal tomber. Parce qu'on va te taper fort dessus. On va te taper fort dessus. Je ne sais pas, tu comptes sur quoi. Hein. Mais on va te taper, mais grave. Et puis ça te fait mal. On va te taper fort. Toi, Draman, là. Il faut maintenant nous expliquer. L'achat de maison de Guillaume Kibafori Soro là. Parce que ça a été au même moment. C'est quand ils ont acheté la maison, parce que ça n'a pas été acheté illégalement. Il y a eu des procédures d'abord avant d'acheter la maison. Il y a les témoins. Maintenant là, il faut nous expliquer quand Guillaume Soro allait te dire que ouais, Gbagbo a acheté maison, parce que tu étais déjà au courant, comme l'enfant il te respectait, allait te dire
que Gbagbo a acheté une maison pour moi. Toi, tu n'as pas dit à Guillaume Soro que ta résidence de merde là, qui avait été attaquée, je ne sais pas par qui ou bien par toi-même, parce que dans Fait des Chaniers, là, ton nom est dedans. Ben toi là, tu es un marmailleur, tu es un mauvais vieux. Il est vraiment modèle, mordou les billets. Tu as dit qu'il n'a qu'à réhabiliter ta maison qui a été cassée là. Mais de la manière la maison de Guillaume sera été achetée là, c'est la même manière là qu'ils t'ont donné l'argent. Et puis tu as arrangé ta résidence qui n'a rien à voir avec une maison d'État. Ça n'a rien à voir. Mais toi là, c'est-à-dire, si on doit juger Guillaume Soro pour ça là aujourd'hui là, toi-même là, on doit te juger aussi. Parce que il était premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, toi tes amis là, les voleurs, les bandits, les voyous, c'est-à-dire, il y a les microbes qui t'entourent aujourd'hui là. Eux, ils ne volent pas. Les bitoles là, les bons Koulibaly là, même quand on fait don aujourd'hui là, dans affaire de virus là, vous prenez don là, vous vendez. Allô ta frère là, vous ne vendez pas? Donc, je vais vous faire écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo ici, là, d'abord. Parce que, eux, là, c'est quand ça les arrange, ils disent non, ouais, c'est bon, il n'y a pas de drame. Mais quand ça les arrange pas, là, on dit non, voilà, la cour n'est pas... Et puis, ils ont dit que des bêtises. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo. Merci beaucoup. Merci à Mourobetou. Et puis je vous dis, hein, à tous les pro-Gbagbo qui m'ont aimé, dans leur tête là, qui dit ouais non, j'ai fait ça pour avoir client là, faut plus ils vont m'aimer. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi là, je ne vais pas changer ma manière de faire vidéo là, je ne vais pas changer. Ce que Gbagbo a fait là, si c'est bon là, je vais dire. S'il y a des défauts dedans là, je vais dire. Ça là, faut même pas que quelqu'un va se fatiguer pour ça. Mais venez m'asseoir encore. Ou bien quelqu'un va insulter Guillaume Soro. Et moi, je vois de la manière le fils de chien, là, le gros porc, là, a insulté la mère de Guillaume Soro. Là. Petit, je vais avoir la facture reçue. Là. Je vais avoir ça et puis il a publié ça. Tu vas voir. Quand tu étais en prison, là, quand tu as frappé Johnny Pacheco parce qu'il insultait la mère de Draman Mossi, là, Guillaume Soro, là, il a payé l'argent pour toi ici, pour que tu sors de la prison. Il a pris avocat pour toi. C'est bien fait pour Guillaume aussi. Parce que moi, à l'époque, là, j'ai crié pour toi. Tu ne m'as pas donné l'un. Tu allais donner un imbécile comme ça. Voilà, lui, aujourd'hui, il vient insulter ta maman. Imbécile, capri, là, vilain garçon. Vous avez compris, non? Les gars qui m'ont aimé, là, j'aime tous les gars. Mais les gars qui pensent que, ouais, on va faire croubette. Moi, je vais faire croubette, là. I don't know croubette. Yeah. N'ta qu'un tembri mouroye. Moi, je suis content. Si Draman, il brille encore, il va continuer à nous baiser, nous tous. Faut pas vous aller pardonner. Vous avez compris, non? Faut pas vous aller pardonner. Restez dans vos gammes, là. Faut pas vous aller pardonner. Parce que moi, les chantages, là, je suis pas dedans. Non, mon frère, faut nous comprendre. Mon frère, tu sais, Soro a fait ça, Soro a fait ça. Ah bon? Donc, chez vous, la personne n'a rien fait, quoi. Et ils avaient les fleurs en main. Et là, ton candidat à moteur, là, pardon, à trop bon. Draman, il sait que s'il y a match là, fa là, Guillaume Soro, il va Mougou, aller. Mougou, un retour. Mougou au milieu, Mougou en haut, Mougou en bas, bon Koulibaly. Allez, t'es là, il n'y a pas match. Voilà pourquoi, aujourd'hui là, ils ont dit les 20 ans, c'est-à-dire dans vos rêves. Dans vos rêves là, c'est 20 ans dans vos rêves. Vous allez voir, ça va changer. Oh la loi, Draman, oh la loi. Draman, oh la loi. Draman, tu es oh la loi. Draman, tu es oh la loi. Voilà, j'ai dit ça à tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un va continuer. Ah non, Amira. Hey, c'est lui qui me manque de respect. Je le manque de respect. Parce que là où nous sommes arrivés, là, peut-être que c'est le moment pour moi aujourd'hui. C'est ce que je me dis. Hein. Non, où on doit tutuyer les gars là. Non, vraiment. Là. Hey, on ne faut pas, on va se mettre ensemble. Ben, c'est le moment qui est là, là. C'est chaud. Soit disant, c'est chaud pour Guillaume Soro, là. Faut pas, on va se mettre ensemble. Restez dans votre camp. Nous, on va rester. Mais jamais je vais laisser Guillaume Soro. Si la vérité, là, je vais dire, oh, et puis on va avancer. Voilà. Je suis pas là pour dire, non, je m'en fous des gars. Mais pour dire, je vais faire la courbette encore. Parce que dans la crise de Côte d'Ivoire, là, tout le monde a fouetté. Tout le monde. Bête tout. Tout le monde a fait des bêtises. D'arrêter de faire chier les gens.
Voilà, poussez démarrer. Merci mon frère. À Bunga maintenant. Il candidat. Il m'énerve façon. Il y a des sorciers comme ça. Draman, c'est un sorcier. Moussi Draman là, c'est un sorcier. C'est un sorcier, Moussi Draman là. Moussi Draman là. C'est un sorcier, Draman. Draman, c'est un sorcier. Moi, je vous dis ça. Soubara. Il s'est servi de tous les politiques. Tous les politiques dans Côte d'Ivoire là, il s'est servi. Et puis Gueye là, qui a tué Gueye? Gueye Robert là. Qui a tué Gueye? Tiens, il est bon, Mokunova. Gueye là, qui l'a tué? Gueye Robert là. Qui a tué Gueye Robert? Qui a tué? Parce que c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Et encore Chanier là. C'est Gbagbo qui est au pouvoir. Maintenant là, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête à la San Ouattara? Pourquoi tu n'as pas fait d'enquête? Hein? Pourquoi tu n'as pas fait d'enquête pour savoir qui a tué Gueye? Pourtant, tu nous avais promis. Dans ça là, il n'y a pas fait de milliards dedans. Il fallait juste engager des gens pour faire des enquêtes. Gueye là, tu vas nous dire qui a tué Gueye Robert. Parce que c'est ce que vous avez fait là. Et puis on a besoin aussi des preuves. Comme quoi, c'est comme ça on dit non. Preuves matérielles pour montrer que Guillaume Soro voulait vraiment faire coup d'état. Comme de la manière vous avez attrapé le gars, le gars là, qui était quoi, Abeyou ou bien je sais pas qui là, je connais pas trop son nom là, qui était quelque part là, vous l'avez attrapé à Abidjan, il voulait passer par Abidjan pour aller en Guinée là, vous l'avez arrêté à Abidjan là. De la manière Ahmed Bakayoko est venu sur le plateau là, il est sur le plateau pour venir expliquer, voilà, on a des enregistrements, tout ça là, et puis tout là, montrez-nous. Draman, tu ne peux pas prouver. ITC, Dozo Chokroba, tu ne peux pas. Il n'y a pas plus criminel que toi. Tu es un sanguinaire. Il est là. Amen, Yoronao. Et puis là, je te dis, hein, si moi, là, je suis dans le faux, là, Dieu va me livrer. Mais si je suis dans la vérité, là, je marche tranquillement. Je me cobeke tranquille. Aline Tessera, il y a pas peur de quoi? J'ai tout en Dieu ou quoi? J'ai pas peur de quoi? Donc, la question, ça, là, de savoir, là, qui a tué Gueye. Parce qu'on dit que c'est Gueye qui a tué, que c'est Gbagbo qui a tué, qui a fait le charnier. Bon, pourquoi toi, là, aujourd'hui, là? Parce qu'en moins de 3 mois, tu as déjà eu les preuves pour juger Guillaume Soro. En moins de 3 mois. Même jour, là, ça a commencé, et puis même jour, là, il est condamné. Tu vois comme tu es dans le faux? Merci beaucoup, Roger. On veut des preuves comme ça. Vous avez pris CKCK, et puis faites parler les gendarmes ou bien les militaires qui voulaient faire coup d'état là. Faites-les parler. Parce qu'il y a la vérité dans la bouche là. Quand on voit là, on connaît. Donc, on dit que c'est Gbagbo qui était au pouvoir en 2002. Dès qu'il a pris le pouvoir, Chanier. Oh. Gbagbo is mauvais, yes. Ça, c'est en anglais. Gbagbo, tu es mauvais. Ok. On a validé, on a applaudi, on t'a dit, ouais, Ouattara, c'est bien. Non, Gbagbo, il mange. Ils ont insulté maman de Gbagbo, ils ont tout fait de Gbagbo. On a tout fait de la maman de Gbagbo. Que son âme repose en paix. Tu as dit, le Chanier, tu vas mener une enquête. Là, zéro. 9 ans, zéro. Et après, tu as dit que lui qui a tué Gueye, là, que tu vas mener enquête aussi. Zéro. Et puis tu as dit que tu as besoin. D'accord. Ok, Destin Hamilton. S'il écrit net là, comment il s'appelle même? Attends, je vois le nom. Il dit qu'il s'appelle Lucky. Lucky que. D'accord. Ma Fafro irait le bloquer en net. Si les garçons là, qui il écrit encore? Chanier! De Yopougon là, coup d'état, tu as promis à la Côte d'Ivoire. Et les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, parce qu'ils sont en train de. Ils sont en train de tout gâter là. Aïe Kerubla, s'il vous plaît. Voilà. Il est là. Il est vu. Merci beaucoup. Il est bloqué Destin sur tes autres. Il a bloqué Coronet, il est parti. Donc vous voyez, Chanier là, Ouattara, tu as promis tout ça là, mais tu n'as pas fait d'enquête. Ça veut dire que c'est toi. Il est le bain. C'est comme de la manière. Pourquoi j'ai dit c'est Ouattara?
Parce qu'il sait que si il dit qu'il va faire la lumière dessus là, ils vont l'attraper. Donc il a laissé ça. Chanier a fait des guéris et puis quoi là même là. Il a laissé ça. Parce qu'il sait que si on dit on va les juger là, mon nom va sortir dedans. Dans Ami Otoy, on n'a qu'à avancer. Est-ce que ce n'est pas la même chose là que tu es en train de faire pour IB et puis Tagro? Parce que Tagro là, il n'était pas militaire. Tagro était ministre. Pourquoi tuer Tagro? Pourquoi vous l'avez tué, Tagro là? Pourquoi vous avez tué Tagro? Parce que moi, à ta place, si c'est Guillaume Soro là, lui-même il a dit, si c'est pas montage, Guillaume Soro même a dit, il dit, vous avez vu ce qu'on a fait à Tagro et IB. On dit c'est montage, vous avez dit que c'est pas montage. Maintenant là, vous avez ces genres de preuves là. Mais pourquoi ne pas appliquer, c'est-à-dire déposer plainte contre Guillaume Soro? Vous n'avez pas besoin de mentir. C'est-à-dire ça là, on prenait en même temps parce que tu le sais bien. Si tu as parlé de ça là, affaire d'IB à la justice là, affaire de Tagro à la justice là, Ouattara et Torobebo, ton nom là, ils vont citer ton nom. Ton nom là, on cité dedans. Voilà pourquoi tu as laissé. Tu as fabriqué un coup d'état comme toi-même, tu es doyen là. Tu as essayé, Ouattara. Je te dis, de la manière l'homme gagne un boulot et puis après tu arrêtes, tu vas chercher l'autre là. On te dit, il faut envoyer un CV là. Toi là, s'il y a un CV pour dire non, tu peux être président ici et puis après quitter ici, aller te présenter partout. Tu dis, tu es bon. Si toi, tu déposais ton CV quelque part avec ton passé là, tu n'allais même pas avoir. C'est-à-dire, personne n'allait te voter même. Personne n'allait te voter. Donc, affaire de IB, c'est toi. Parce que ton Zakaria là, l'a tué. Tagro, peut-être tu n'as rien à voir dedans. Mais Zakaria en sait quelque chose. Si on arrête Zakaria, il va dire pourquoi il a tué Tagro. Coup d'état. Même Zakaria l'a dit. Non, toi-même tu as dit parce que personne n'a fait de déclaration. Parce qu'il faut quelqu'un, il faut un Satan pour dire ce genre de trucs-là. Je frapperai ce pouvoir. Je rendrai ce pays ingouvernable. Quand tu as appliqué. Ça fait trois. T'as dit coup d'état là, c'est toi. Si tu veux là, faut porter plainte contre moi. On va aller s'expliquer. Et puis il y a un nom, mais il est devenu plus grand encore. Il est le même. Coup d'état septembre 2002 là. Du 9 septembre 2002 là. Il est le même. Tu as dit à Gbagbo Laurent que tu ne vas pas attendre 5 ans pour aller aux élections avec lui. Le pays a été divisé. Et dans une vidéo, tu as dit le côté où il y a les rebelles là, qui sont occupés par nous. Tu t'es mis dedans. C'est toi. Et puis maintenant, avant ça aussi, là, du 9 septembre, là, Zakaria a dit au Burkina que qu'au moment où ils étaient au Burkina, c'est toi qui envoyais l'argent. C'est toi qui les nourrissais, c'est toi qui faisais tout pour eux. Donc, où tu es propre là? Tu n'es pas propre. Il faut laisser l'enfant du pays. Ivory Coast a besoin de son enfant. Et puis pour finir, là, je vais dire à tout le monde, soutenir Guillaume Soro là, c'est pas obligé. C'est pas quelque chose, si tu ne soutiens pas Guillaume Soro, il va pas devenir président, non. Ou bien le mouvement de Guillaume Soro va s'arrêter, non. Je vous dis bien, aujourd'hui là, normalement d'autres sont contents. Ah, c'est bien, ils l'ont condamné. Mais on a une chose là, on prend ça, on met dans pain. On va manger ça propre, et puis il n'y a rien. Donc, affaire de Soro là, faut pas quelqu'un va se décourager. Ah, maintenant, parce que Draman est fini. Draman a retiré la Côte d'Ivoire, notre nation là, à cause d'un petit Guillaume Kibafori Soro. Puis il est petit comme ça. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il ne pèse pas. Mais quelqu'un qui ne pèse pas, pourquoi retirer toute une nation d'une institution pour dire ouais que non, parce que on ne veut pas se mettre en banc. Vous savez qu'aujourd'hui, là, vous ne voulez pas vous-même mettre en danger. Ah, Draman, non, tu es une honte. Voilà, il y a quelqu'un qui me demande ici. Merci beaucoup, j'avais oublié le sujet. Je vais parler de Didier Drogba ici. Parce que j'ai vu. Excusez-moi, après, je vais terminer ça vite fait, chap.
Je vais terminer l'histoire de Didier Drogba là, parce que j'ai commencé hier sur ma publication. J'ai sur mon mur là, sur ma page. Mur page, bon voilà. Sur ma page, où j'ai dit que ouais, Drogba est le chouchou de Dramane. Dramane et sa femme. Donc, moi, j'aime pas Drogba. Parce que tous ceux qui s'approchent, et puis depuis Drogba même a commencé même à s'approcher de Dramane là. Moi, Drogba là. Bon, c'est quelqu'un même, je ne l'ai pas aimé comme joueur avant. Non. Faut pas en se mentir. Mais là encore, quand je l'ai vu à Dramane, ouf, ça fait que. Donc, j'ai dit que, ouais, moi, franchement, Didier Drogba, vu qu'il est le bon petit de Dramane là, vraiment, moi, je ne suis pas prêt pour lui. C'est pas moi, ma voix ne compte pas. Mais je peux dénoncer ce que j'aime pas chez Drogba, je peux dire parce qu'il est ivoirien comme moi. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui. J'ai vu, il y a d'autres qui m'ont insulté là-bas, mais j'ai bloqué beaucoup là-bas. Parce que Drogba a sa vie, j'ai la mienne. Donc, je ne suis pas obligé de soutenir Drogba. J'ai fait mon choix et puis j'ai dit ce que j'ai envie de dire. Si c'est Dramane là, Moshiké là, moi je critique là. Ce n'est pas les Drogba là qui n'est pas critiqué. Ah oui. Donc, aujourd'hui j'ai regardé la vidéo de Didier, publicité de London. Mon ami depuis London. Qui a expliqué un truc qui m'a vraiment touché. Il a dit non, si c'est ça, je retire ce que j'ai écrit hier là. Mais en même temps, quand je vois que Drogba il est avec Dramane, j'ai dit non, je peux pas. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais Assalvo qui est chanteur, Assalvo il fait zouglou, il n'est pas joueur, c'est pas footballeur. Assalvo va chercher quoi? À la FIFA là-bas, là, Assalvo va chercher quoi là-bas? Dans FIFA là, il va chercher quoi là-bas? Il paraît qu'il est directeur ou bien il est quoi là même là? Quoi Assalvo, il est quelque chose? Il est joué? Où il a déjà joué Assalvo là? Où il a déjà joué? Il n'a jamais joué ballon? Assalvo, on connaît Madi Sissem, on connaît. Donc, vous voyez? Comme Assalvo est collé à Alassane Ouattara, voilà pourquoi il a pu sonner là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit, les anciens qui sont là-bas, là, eux, ils n'ont pas eu la même chose que Drogba. Drogba a eu l'argent. Eux aussi, ils ont eu les chances. Parce que eux, arrivé un moment, eux, ils ont honoré la Côte d'Ivoire. Ils ont rapporté la coupe. Il y en a plein parmi ceux-là. Ils sont pauvres. Au lieu d'aller prendre Assalvo, quelqu'un qui fait zouglou, venu le déposer, c'est ça, nos FIFA, là. À la FIFA, là. Mais prenez les Alain Guaméné, les Zagoli Goli, les Obu Hassen, ceux qui ont remporté la coupe là, mais ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils sont allés chercher un Zouglouman, venir le mettre dans ballon de Côte d'Ivoire. Ils sont allés chercher un Zouglouman. Bon, ce Zouglouman là, on sait que il est attaché au couple du palais Alassane Ouattara et sa femme Dominique. Voilà pourquoi il occupe ça. Tu sais, on n'a qu'à se dire la vérité. Faut pas avoir peur de dire la vérité. C'est pas bon. Quand tu mens là, Dieu il n'aime pas. Quand tu dis vérité là, même si ta bouche il sent là, quelqu'un va, ah c'est bon, ah non c'est ça. Parce que ce qui sort dedans là est bon. Donc le fait que on, ça veut dire on prend Assalvo le Zouglouman, il cherche quoi dans le ballon? Il cherche quoi dans faire des ballons chez nous là? Assalvo cherche quoi dedans? Il cherche quoi dedans? Donc quand j'ai écouté le truc du gars, il a dit non, c'est vrai ce qu'il a dit là est vrai. Ils disent que, ouais, que Drogba peut aider. Drogba il a aidé combien de personnes? Depuis que Drogba il gagne son argent là, il a aidé combien de personnes? Il y a une dame qui m'a appelé, non, tu sais, Drogba, il est entre deux avions, il voyage beaucoup, tout ça là, il est vice-président de temps, il dit, mais, et puis tu vas ajouter encore un autre poste. Mais c'est qu'il va pas avoir le temps encore. Parce que le temps que tu as dit, la Sokora a dit hier que, ouais, Drogba ne vient pas à la réunion. Et c'est vrai, quelqu'un qui est orgueilleux comme ça là, on le met de côté. Nous, on va pas faire la réunion à chaque fois. Et toi, tu vas te lever comme ça, un coup brou, parce qu'on m'appelle Didier Drogba. Mais si c'est pas palmarès là pour dire non, lui là il a brillé là. Nous là, ceux qui ont donné la valeur, c'est-à-dire la première valeur à la Côte d'Ivoire là, ils sont encore là. Les Ben Badi,
les bains, là, tu les vois même là, tu sais que ça ne va pas chez eux. Mais pourquoi ne pas les mettre là où on doit les mettre? C'est à ça qu'il faut vous partir chercher quand on dépose. C'est pourquoi j'ai dit, Didier Drogba aura le même comportement. Il ne va rien changer. Hein. Il va avoir le même comportement que Draman. Et puis c'est celui qui gagne. Hein. C'est celui que Didier Drogba il gagne. Hein. Parce qu'il a le soutien du président Draman. C'est celui qui gagne. Et il va avoir le même comportement qu'Alassane Ouattara. Il va être un dictateur. Moi, je vous dis ça. Faut pas se mentir. Parce qu'à partir du moment, il n'y a pas de respect. Parce que les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est lui qui a l'argent, on le prend tout de suite, on le met en haut. Ou bien lui qui a non, on le prend tout de suite. Mais quand tu fais ça là, il n'y a pas de respect. C'est comme dans une famille à la maison. Quand, parce que ton deuxième fils a l'argent qui est le premier là, c'est le deuxième là qui doit tout décider. Mais ta famille là, tu verras un moment qu'il n'y a plus de respect. Parce que le petit frère là, il ne va plus respecter le grand frère. Des gens qui ont déjà fait pour la Côte d'Ivoire. Didier Drogba là, Ligue des Champions là, les gens ont combattu pour lui, les supporters. Il y a d'autres même qui ont pris les jetons même, ils ont fait sacrifice pour que Didier Drogba puisse remporter la coupe là. Mais quand il a remporté là, il a envoyé à Abidjan, il n'a pas envoyé. Mais Yaya Touré là, quand lui il a pris pour lui là, je ne suis pas là, je ne choisis pas, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Quand Yaya a pris la coupe là, lui il a envoyé ça à Abidjan. Mais Didier Drogba a pris coupe là. Mais Didier Drogba a envoyé l'entraîneur même de son, c'est-à-dire le propriétaire même de son club à Abidjan, au Félicien, dans Kaka Sport là. Il a envoyé tout le monde, tout staff là-bas là, il a envoyé. Mais pour envoyer coupe là, pour faire plaisir aux gens, à ses supporters là, pour dire, ah Joe, vraiment, vous m'avez soutenu, voilà ça. Et puis prenez comme vous voulez, hein. Voilà, Nakamidia Akodia, Namamidia Frana Modia, ça m'en fout, je m'en fous. Voilà. Donc il a pris coupe là, il est resté. J'ai dit ça à mon grand frère, j'ai dit Wale Bile, j'ai dit Drogba, il ne va pas envoyer coupe là. À cause de ça là, mon oncle là, qui est RHDP là, bah, ils n'aiment pas vérité. Il a fait comme moi et moi. Si tu me dis ça encore, tu vas voir, il va envoyer. Si tu me dis ça encore là, tu vas voir, il va envoyer. Mais il n'a pas envoyé coupe là. Donc pour vous dire quoi, Drogba, il va avoir place là, mais il va se comporter comme Draman Ouattara. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, pour finaliser ce qui a commencé là, Draman Ouattara, aujourd'hui, tu n'es pas avec lui, il te met dans le trou. Tu n'es pas avec Mossi Draman, tu es dans le trou. Même je peux vous dire qu'ils ont commencé à tuer, bon, ils tuent il y a longtemps. Les FSI là, ils ont commencé à mettre l'eau sur eux aujourd'hui là. Parce que je connais des FSI qui sont obligés, ceux qui savent lire et écrire, à faire publication. Par exemple, je suis ami avec plein de gens qui font, quand ils font publication dans la Sangwa Traivin. Ah, le propre tiers. Pourtant, lui-même, là, il ne gagne pas assez. Hein. Il ne gagne pas assez. Donc, Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas la justice. Voilà pourquoi Justice Internationale a dit, ce que tu as mis sur Guillaume Soro, là, tu mens, tu as menti. Il faut enlever. Il dit, il ne va pas enlever. Je préfère me retirer. Voilà. Il dit, je préfère me retirer. Donc, il a retiré la Côte d'Ivoire à cause de Guillaume Soro. Maintenant, peut-être que d'autres n'ont pas encore vu la vidéo. On va prendre 10 minutes pour écouter, parce que c'est 10 minutes. Voilà, on va écouter Odrago Nyemzi. Voilà, on va l'écouter ici. Ils ont décidé, à cause de Guillaume Soro. Voilà. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas de coutume, nous allons... commencer. Écoutez, et puis les questions. Les questions des journalistes là. Par un communiqué avant d'aborder les éléments du compte-rendu du Conseil. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement ivoirien a décidé le mardi 28 avril 2020 de retirer la déclaration de compétence prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émise le 19 juin 2013 en application de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Elle fait suite au grave et intolérable agissement que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement porte atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Le gouvernement rappelle que le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998, a été ratifié à ce jour par 30 États sur 55 que compte sur les 55 que compte l'Union africaine. Sur les 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Fait à Abidjan le 29 avril 2020, Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, à la suite de ce communiqué, nous allons peut-être prendre quelques questions à l'effet peut-être de libérer certains ministres qui pourraient réagir sur ce communiqué. À cause de toi, à Côte d'Ivoire complet retiré par Draman. La honte. Tellement ils n'ont plus rien à dire. Il a arrêté. Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Voilà, écoutez. Qu'est-ce qui a commandé Il n'a pas de réponse. Cette décision. Au-delà de l'affaire Soro, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont pesé dans la décision de la Côte d'Ivoire de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme? Madame la ministre. Voilà. Et à Borla, vous avez vu, non? On appelle ça Andoula à Borla. On lui pose question. C'est-à-dire, le journaliste, il a été gentil même. C'est-à-dire, affaire de Soro là, on n'a qu'à mettre ça à côté. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui a poussé la Côte d'Ivoire à se retirer? Il ne peut pas répondre. Parce qu'ils sont dans le faux. L'État de Côte d'Ivoire. Elle va venir tout mélanger. A donc décidé de retirer la déclaration de la compétence de la Cour. Et les arguments qui ont été donnés, vous l'avez constaté, il s'agit de l'État Moussoubaï. Et surtout au fonctionnement de la justice par rapport aux décisions qui ont été rendues. L'État de Côte d'Ivoire considère que ces décisions-là entraînent donc une perturbation de l'ordre juridique interne de nos États. Ah bon? Voici donc les raisons pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de retirer sa déclaration de compétence. Non, ce est faux. Okay. Il faut noter que le retrait de cette déclaration de compétence est facultative, elle est de nature facultative. Voilà. Même chose là. La déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour est une déclaration facultative liée à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Il ressort donc des dispositions de l'article 5.3 qui fait référence à l'article 34.6 que l'État doit faire sa déclaration pour permettre donc aux ONG qui ont donc le statut d'observateur auprès de l'Union africaine et des personnes privées de saisir directement la Cour africaine. C'est donc une faculté, une faculté de l'État de Côte d'Ivoire. Donc acceptée, c'est parce qu'elle a accepté que les ONG, depuis le 19 juin 2013, saisissent directement la Cour africaine des droits de l'homme. Mais cette faculté est aussi une faculté qui lui permet de se retirer à tout instant. Faculté. Et même sans motif. Voilà, sans motif. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ces motifs pour lesquels l'État se retire. C'est ça, il faut noter, c'est dû au fait que c'est lié à la souveraineté de l'État. C'est une faculté de l'État de se retirer. Faculté, la voie arrêtée, ça. Il faut noter qu'il n'y a aucune disposition dans le protocole facultatif. Voilà. Relatif. Elle n'a plus rien à dire. C'est faculté facultative, c'est ça seulement. Et dans la Charte africaine des droits de l'homme,
il n'y a aucune disposition qui demande à l'État de justifier son retrait. Voilà. Regardez. Oui, d'accord, ok. Voilà. Elle voulait partir hein, parce qu'elle n'a rien dit de bon. On sait que la Cour a déjà rendu une décision en faveur de l'État de Côte d'Ivoire concernant la CEI. C'est-à-dire que ce retrait de la Côte d'Ivoire remet en cause cette décision qui a été rendue par la Cour concernant la CEI en faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne met pas en cause les décisions qui ont déjà été rendues. Ça ne met pas en cause les décisions qui ont été déjà rendues. Bon, maintenant là. Ce que la Cour a dit là a été déjà rendu. Donc vous vous retirez après. On va suivre la vidéo là, normalement nous. Les vous devez noter tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence. À partir d'aujourd'hui, elle précise bien, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que la Cour est dans le temps. La Côte d'Ivoire là, ce que la Cour a demandé là, la Côte d'Ivoire est dans l'obligation d'appliquer. Vous voyez que nous, on est bêtes? Vous voyez que nous sommes bêtes? Nous, on n'est pas bêtes, hein? Attendez, je vais reculer un peu sur les mains. Une décision en faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Concernant la CEI, c'est-à-dire que ce retrait de la Côte d'Ivoire remet en cause cette décision qui a été rendue par la Cour concernant la CEI en faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne met pas en cause les décisions qui ont déjà été rendues. Voilà. Vous devez noter tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a décidé à partir d'aujourd'hui, de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut qu'on explique un peu pour que vous compreniez. Ouais, mais c'est pourquoi tu es là. C'est quoi? Tu dis rien. André, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faut parler là. La Cour africaine des droits de l'homme. Attendez, est-ce que vous voyez Marma qui est dans sa bouche? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la Cour. C'est-à-dire, même chose là. Elle est en train d'endormir les gens. Mais nous, on n'est pas bêtes. Vos culs là, on met ça au dehors. QRHDP là, on met ça au dehors. Écoutez, et puis suivez bien. C'est-à-dire, tellement elle n'a rien à dire quoi. C'est comme si quelqu'un qui frappait un enfant, ou bien un petit, il fout la mettre, on l'attrape, on dit pourquoi tu fais ça là. Il est obligé de s'expliquer. Et puis il dit opi, Ndala en fait opi, c'est ça. Elle là, c'est son opi qui est là. Son opi là, c'est ça qui est là. Tenez. Il n'y a aucune disposition qui demande à l'État de justifier son retrait. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire des gens qui viennent, non. La Cour a déjà rendu une décision en faveur de l'État de Côte d'Ivoire concernant la CEI, c'est-à-dire que ce retrait de la Côte d'Ivoire remet en cause cette décision qui a été rendue par la Cour concernant la CEI en faveur de l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne met pas en cause. Ah, ça ne met pas en cause. Les décisions qui ont déjà été rendues. Mais vous devez noter tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Ok. Il faut qu'on explique un peu pour que vous compreniez. En fait, c'est quoi? Voilà. En fait, c'est quoi? Comme je l'ai souligné tout à l'heure. Comme je l'ai souligné. Pour saisir. Voilà. La Cour africaine des droits de l'homme, la saisine par les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de la Cour africaine et la saisine par des personnes privées, il faut que l'État ait accepté que la compétence de la Cour soit donc reconduite. L'État donc reconnaît cette compétence par une déclaration. Et c'est par la déclaration que les ONG et les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de l'Union et les personnes c'est vite. Privées peuvent saisir la Cour africaine. Elle ne dit rien de bon. À partir donc de ce retrait, il y a toute une procédure et il y a des délais par la suite qui auront des effets c'est à partir de un an que les effets vont donc courir. Donc ce qu'il faut noter et ce qui est vraiment primordial. D'accord, pour se retirer là, c'est à partir de un an. Donc ça veut dire que elle a dit, c'est à partir d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire se retire. Mais elle dit encore, c'est à partir de un an là. Le fait qu'ils se sont retirés aujourd'hui là, c'est à partir de
de un an que ça va prendre effet. Donc ça veut dire que ce que la cour a demandé, la Dramane, tu vas l'appliquer. Tu vas l'appliquer. Par les un an qui vont venir là, toi tu ne serais plus là en liberté en Côte d'Ivoire. En liberté encore, mais en prison, qui date ou qui blacasso là. Vous pensez que nous on est moutons? Vous avez des supporters moutons, mais hein, ne nous confondons pas. Hein? Que les effets vont donc courir. Donc ce qu'il faut noter, et ce qui est vraiment primordial, c'est le fait que l'État de Côte d'Ivoire a la faculté de se retirer et d'accepter. Voilà. Elle a donc, c'est une souveraineté qui est liée, elle est liée à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une faculté qui lui est offerte. Et il y a l'eau qui rentre dans ma voiture. C'est-à-dire, elle s'en va comme ça, elle dit même pas au revoir. Hein. Mesdames et messieurs les journalistes, il y a deux choses distinctes. Parce que il y a l'eau qui est en train de rentrer dans ma voiture. Hein. Voilà. Elle est partie comme ça. Hein. C'est-à-dire, tellement elle a menti, c'est-à-dire, sa bouche là ne tenait plus. Même pour dire, je vous remercie, la pauvre, elle a mis dedans. Il y a. Tu vois. C'est une faculté qui lui est offerte. Vous voyez, elle est partie comme ça, hein. Comme si elle allait jeter poubelle. Et puis elle s'en va. Il y a l'autre aussi qui vient. Mesdames et messieurs les journalistes, il y a deux choses distinctes qu'il faut considérer. Adhérer au protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'en est une. Une chose est d'adopter le protocole de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Adhérer à ce protocole, qu'est-ce que cela signifie? Maïga, cela veut dire Nina clairement Salim. Que vous acceptiez que n'importe quelle voilà. Personne, n'importe quel citoyen ONG reconnues par l'UIA saisissent directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, voilà. Sur les 55 pays membres de l'Union africaine qui ont c'est cela adhéré qui fait au la protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y en a 30 seulement qui ont également accepté le protocole de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Et Allah. Et sur ces 10 pays, il y en a 3 qui ont décidé de se retirer. Est-ce qu'on parle de ça ici? Et donc, dans ces textes, il dit quoi? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne la possibilité à un État de se retirer quand il le veut. Et donc, c'est facultatif. Mais voilà, ça lui aussi, veut pas dire voilà, lui aussi, il est que bien. Nous retirons de la Cour africaine des droits de l'homme. Aïe, bon, comme vous le savez, nous voilà. Sommes profondément attachés au... Ah, putain, les autres ont dit qu'on se retire, c'est-à-dire qu'ils ont retiré la Côte d'Ivoire. Mais lui, il vient tellement, c'est des marmaïens. RHDP, là, si tu veux rentrer au paradis, là, voilà, il ne faut pas être RHDP. Même les imams qui sont RHDP, là, Dieu va vous jeter en avant. Ah, Betou, Dieu va vous brûler, vous tous. Ali est en train de dire ici que, ouais, que non, et non, vraiment. La possibilité à un État de se retirer quand il le veut. Et donc, c'est facultatif. Mais ça ne veut pas dire que nous nous retirons de la Cour africaine des droits de l'homme. Ah bon? Comme vous le savez, nous sommes profondément Mentel. Attachés au respect des droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Tu mens. Voilà un peu ce que je voulais ajouter comme bah, précision. Écoutez la question. Hein.
Oui, Pierre Tipou Melin, NCI. Voilà. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a décidé de retirer la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais avant, il y a eu une décision qui a été rendue en faveur de Soro Guillaume. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait de cette décision-là, puisque c'est après la décision que la Côte d'Ivoire décide de se retirer? Mais nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Mais si. Manifestement, c'est une décision politique. C'est... Dans la mesure où elle confère une certaine immunité pénale à quelqu'un qui veut être candidat aux prochaines élections. Et donc, c'est inacceptable. Nous avions des juridictions nationales. Juridiction nationale, là. Mais vous êtes levé. Vous avez saisi la cour. Cette même cour, là. Quand vous avez volé le logo de Bédier, là. Quand elle a dit que, ouais, que vous, là. Que vous avez eu raison, là. On a vu, vous avez fait les commentaires. On vous a vu ici, vous avez fait commentaire. Ouais, la cour nous a donné raison. C'est rentré ici. C'est... Donc aujourd'hui, là, il te pose la question. Il veut savoir. Il veut que tu dis aux Ivoiriens. C'est aujourd'hui, vous vous êtes retiré. Il dit oui. Mais bien avant ça, la cour avait ordonné. Ici, là, en France, ici, là, c'est Sarkozy qui a annulé ça. Sinon, chaque 5 ans, chaque élection présidentielle, c'est-à-dire les amendes qu'on prend dans les stationnements là, quand le président venait là, le nouveau président là, il effaçait tout. Tout ce qui est crédit là, les PV que tu as pris là, le président il effaçait tout. Mais depuis ce Pukmé est devenu président de France là, il a enlevé ça. Donc, même si ça fait 100 ans là, tu vas payer. Donc à l'époque, c'est-à-dire toi, si les gars ils t'envoyaient déjà ton amende là, et de l'amende que tu as pris là, quand on t'envoyait là, tu recevais déjà et puis le lendemain, le gars, il est élu là. Même s'il annulait tout là, ce que toi, tu as reçu à la maison là, tu vas payer. Est-ce que ce qu'il a dit là, vous avez compris? C'est-à-dire, dans l'année là, dans les 5 ans là, les amendes que tu as pris ou bien, tu t'es engagé à payer par prélèvement, par mois, à la trésor publique là. Et on doit te prélever 50 euros, 50 euros. Une fois que tu as signé le dossier là, tu vas payer, même si le président vient, il fait, il dit, bon, voilà, on annule tout ce qui est amende là. Toi, le fait que tu as déjà signé papier là, tu vas payer jusqu'à la fin. Toi, tu n'es pas dedans. On dit la cour a demandé, avant que vous vous retirez là, vous les voyous là, les bandits là, vous vous retirez là, la cour dit, affaire de Guillaume Soro là, c'est mort. Mettez ça, c'est-à-dire, la cour vous demande de suspendre les poursuites contre Guillaume Soro. C'est la question qu'il a posée. Mais Ali Koulibaly, il ne peut pas répondre. Il faut qu'il rentre dans le couloir. On va l'attraper tout de suite là. Allez, prends, on va l'attraper tout de suite. Ne partez pas loin. Que la Côte d'Ivoire décide de se retirer. Mais non, une décision qui a été rendue en faveur de Soro Guillaume. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait de cette décision-là, puisque c'est après la décision que la Côte d'Ivoire décide de se retirer? Mais nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Mais manifestement, c'est une décision politique. Une décision dans politique. Dans la mesure où elle confère une certaine mettez immunité les s'il vous plaît, les pénale à quelqu'un qui veut être candidat aux prochaines élections. Et donc, c'est inacceptable. Nous avions des juridictions nationales qui fonctionnent bien. N'en déplaise à nos détracteurs, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Tous les citoyens peuvent saisir les tribunaux partout, sur toute l'étendue du territoire. Et notre justice est impartiale. Et donc, on ne peut pas accepter que nos juridictions soient affaiblies à cause de notre adhésion à ce protocole de reconnaissance de compétences. Et donc, nous protégeons en quelque sorte nos juridictions parce que nous ne pouvons pas accepter que les bases de l'état de droit soient sapées et que dans notre pays,
il s'instaure une sorte de, d'insécurité juridique. Hein? À quoi nos tribunaux vont-ils servir? Si un citoyen lambda peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors qu'il y a des possibilités que nous offrons au plan national, cela n'a pas de sens. Il y a justice en Côte d'Ivoire. Et si on laisse les choses courir, eh bien, nous créons pratiquement le chaos. Il n'y a plus de souveraineté de l'État ivoirien. Il n'y a plus de souveraineté de... C'est-à-dire, si eux, ils acceptent là. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Ah bon, quand vous avez appelé la France là, le Comoc, tout ça là, contre Gbagbo Laura là. Donc aujourd'hui là, quand vous êtes là, c'est la Côte d'Ivoire. Au temps de Gbagbo là, c'était pas Côte d'Ivoire. Quelle honte. Vous n'avez pas honte? Et puis tous ceux là disent que ouais, on est musulmans, Allahu Akbar. Attends, Allahu Akbar, foyer. Zéro! Antenato, on ne va pas vous laisser, on est vous. Soumaro Nakana Mourobla Mangurunchi la Yeremaïté. Angola Mouradé, Angola Mouravide. On a mis, j'ai mis dans quoi jouer aujourd'hui là. Voilà. Nous là, on joue pas et nous comme ça. Assalamu alaikum, big up à tout le monde. Voilà. Bita Bana, Bita Nourala. Bye.